Cherche ton savon. Cherche ton savon. Bic, le savon, c'est pour faire quoi? Cherche ton savon. C'est moi qui t'ai dit. Eh, c'est sérieux là. Mais ton savon, pour faire quoi? Africaine, qui a les formes belles, propres, avec les trucs, comme ça. Si tu n'as pas, petit frère, cherche ton savon. Mais Bic, c'est qui l'ambassade à son collectif? Moi, mais je peux aussi, non, Bic? Une jolie fille, belle fille africaine, qui passe son arrière avec les mangaya, tu connais? Tu peux l'embrasser? Point d'interrogation. Tu peux l'embrasser, mon petit. Hey. Tu rêves. Tu rêves. Hey, je rêve comment? Pas les petits mingli plantains là que vous dérangez avec ici dehors. Tu rêves. Tu rêves. petit, veux chercher ton savon. Comment je te dis? Bon, Bic, on a suivi tes conseils. Bon, la main, tu parlais de quoi? Quand tu poses le genre d'enfant là, rapporteur. Hey, de quel genre d'enfant tu parles? Quand tu parles dans une famille, le seul garçon parmi les filles. Ah oui, continue. Un peu, c'est tout pour nous. Un peu, c'est notre mort. Un peu. Hein? Quoi? On n'a que lui. Vous croyez que nous, on nous accueille sur le manguier? Point d'interrogation. C'est vous quoi? Maman, qu'est-ce que toi-même tu crois? C'est le seul coq de la basse cour, non? Dans tous les cas, il n'y a pas deux cas. Grand P, est-ce qu'on peut commencer? Salut, salut encore et bienvenue encore sur une autre édition de Tenue du Quad. Oui, c'est la Tenue du Quad, comme je le dis toujours à l'accoutumée. Pour celui qui veut mettre ses organes à pardon, qui passe seulement comme un tacite, un passé. En ce qui concerne les retours, là, non, les retours, ça ne me concerne jamais. Oui, les retours, non. Parce que les gens, le commentaire qu'on t'abaisse, c'est le commentaire des manchoum ton quartier. Oui, les manchoum ton quartier, dans le quartier difficile. On le dit, le commentaire qu'on tape au niveau des bas étages, à ce genre de commentaire, là, qu'on tape ici, là. Aujourd'hui, c'est là, comme on dit toujours, après la pluie, vient le beau temps. Après l'amour, c'est la haine. Actuellement, c'est là le torchon brûle entre Noël Kemwe et son mari, son amant ou son voleur de pio, Fimbantara. Actuellement, c'est là les deux sont à couteau tiré. De temps en temps, on clash toujours Noël Kemwe. Elle ne sort jamais de ses gangs. Mais le tout, c'est là. C'est comme si Fimbantara est touché là où il ne fallait pas toucher. Hein? Vous m'écoutez là. Elle a encore, donc de tout, si on ne sait même pas si elle est ici, donc elle déchire seulement, Fingon. Donc, c'est comme si, donc, ils étaient depuis tout le passage, donc ils ont tout le temps qu'ils ont passé là. Fingon n'a absolument rien fait. Vous écoutez les déclarations de Noël Kemwe. Vous revenez, on va discuter. J'ai Tiami, encore appelé Fingon Tralala, ou Papa Nakigali. Je fais cette vidéo, moi je te parle directement. Contre moi, attends, je ne suis pas lâche. Je ne parle pas, je ne code pas, je ne parle pas comme Jésus parlait à l'époque, comme il parlait à son époque. Fingon, attends, tu parles de ma mère, tu dis comment, tu dis que j'avais trop de problèmes, que tu m'as quitté parce que j'avais trop de problèmes. Lesquels? Attends, j'ai quel problème? Tu vas me dire que tu parlais à une tétraplégique, j'ai quel problème? Tu as dit que ma mère, j'avais tellement de problèmes, ma mère, les problèmes de ma mère, maman, quel problème? Attends, j'ai quel problème? Mon loyer, si tu l'as payé, un jour, il y a quelque chose dans ma maison, il y a un truc ici que tu as payé dans cette maison. Moi, dans la facture, tu as payé un truc dans cette maison. Même si la télé qui s'est cassée deux fois, tu as payé. Même le lit sur lequel j'ai accouché Kigali, que tu allais prendre chez Rolux Meubles. Rolux, je ne sais pas, mais si tu fais la pub gratuitement. C'est le lit que tu allais prendre avec des dépôts, ce que tu as acheté. Que je reste relu sur l'appel en me demandant la vidéo de publicité. Je dis, tu parles de quelle vidéo? Que Fingon a dit que tu vas faire la vidéo pour compenser le lit sur lequel ton bébé devait dormir, ton nouveau-né. Que toi-même, tu devais venir peut-être dormir. Faut pas exagérer, je ne suis plus ma mère. Pardon, je n'ai jamais mentionné ta mère. Je n'appelle même pas Kigali, même pas le nom de ta mère. Parce que je ne veux pas prononcer son nom en désordre. Tu parles de ma famille, tu sais que je ne suis pas mariée. Really? Toutes mes tantes sont mariées. Mais tu vois, j'ai dit, ma mère n'est pas mariée, oui. Mais toutes mes tantes sont mariées. Toutes mes cousines sont mariées, sauf moi. Je ne suis pas morte, ma mère n'est pas mariée. Et même si je ne me marie pas, il y a quel problème si je ne me marie pas? La vie s'arrête parce qu'on n'est pas mariée. Tu as vu quelqu'un aller à la banque retirer l'argent avec l'acte de mariage. Pourquoi tu as activé du mariage à moi? Un peu, tu parles de ma mère, qu'elle n'est pas mariée, c'est le chèque. Alors, ma mère, ça fait quoi? Tu vas la mettre sur ton âge. Vous, qu'est-ce que tu m'as pas, je dis que tu n'as pas fait ça, pense à l'enfant. Lui, pense à l'enfant qu'il est la grand-mère de cet enfant. Ma mère, t'as fait quoi? Elle a toujours tout fait pour arranger les problèmes. Elle a fait quoi? Tu voulais quoi? Que quand je vais te quitter, toute ma famille manifeste devant le ministère de la famille, ou c'est quoi? Tu voulais quoi? Que ma famille soit au par quatre, rentre chez Fingon. Je comprends pas, tu voulais quoi? Attends, j'ai parlé combien de fois de tous les problèmes là, combien de fois tu fais à soi. Et je t'ai dit, la malchance que tu as, c'est que je sais me débrouiller. Et je dis quelque chose que je ne tolérerai pas. Je te l'ai dit. Toi, tu sais que je suis très difficile. Comme tu dis que je suis la même dans la vraie vie, oui, il y a dansé comme une folle et dans la vie privée. Tu sais que je suis difficile. Je t'ai prévenu. Tu pleures quoi maintenant? Tu pleures quoi sur Facebook? Oh, j'ai quitté. Quand on va récapituler, c'est toi qui m'as quitté. Et quand je t'ai quitté, j'étais prévenu. J'étais prévenu. Là, même pas le problème. Qui a quitté qui? Putain, ah, Paul Kagame of my heart. J'ai même perdu le fil. En tout cas, papa,
Tu, quand tu dis que il y avait trop de problèmes, ma maison que je construis à lundi, tu connais même c'est. Tu as donné un parapente là-bas, je suis au niveau de la dalle, tu as mis à rien faire. Je te demandais un jugement de sable. C'est que je demandais quelque chose sur mon terrain là-bas, avant la capture, je demandais. Tu sais que j'ai trop de fierté. Ma fierté d'abord, parce que je sais que je me bats. Quand je vois toutes les publicités que je fais, elles sont pas capables de sable. C'est le travail, quand je ne dors pas, comme tu dis que je ne dors, je ne dors pas beaucoup, j'ai un travail. Mais c'est pour éviter de rester dans une relation qui m'arrange, pas parce que je me donne 5 francs. Et de dire que je ne me plais pas, je laisse. Je laisse, c'est même pour quelqu'un qui parle. Tu t'appelles pour les je laisse tomber. Tu vois que tu es qui en fait? Tu sais que j'allais me brûler parce que j'étais quitté, que je me suis mise avec, où c'est qui? Je dis, et ce qui parle là, attendez, Kigali a dit moi, vous ne pensez pas quand la relation s'est arrêtée depuis. Et puis même si la relation s'arrête, je dis que mec a pour vendre. En fait, et tu sois live, c'est pas votre vie. Non, c'est pas votre vie. Je vis ma vie. Laissez-moi vivre ma vie. Par contre, demain, je vais mourir. Moi, comme je vis, comment vous voyez ce que je vis chez moi? Je ne stresse pas pour les broutilles. Je ne stresse pas. Comme je vous dis, quelque chose ne m'arrange pas, que ce soit un amitié ou un amour. Je laisse tomber. On ne me tient pas. Parce que je dis, je ne suis pas stratégique. J'ai mes deux petites, mes deux mains. Pour le moment, on ne sait pas comment on va finir dans la vie. Mais si je connais chercher mon argent, on va me faire chier, putain. Attends, tu racontes quoi? Tu parles de ton Canada, tu parles de ton Canada. Mais comme tu veux, comme ta page est monétisée, tu veux avoir les vues, dans l'argent pour jouer ta vie. Même si tu veux faire avec l'argent, tu parles de ma mère. Pardon, easy. On n'a jamais vu me fâcher sur Internet. Laisse-moi faire mes vidéos, je danse. Tu te fâches que oh, je vais trop danser. Pourtant, tu veux chercher mon argent pour éviter de t'appeler que ouais, j'attends le dépôt. Comme tu sais que j'ai trop ma fierté, tu fais quoi pour moi? Attends, oui, ma boutique que j'ai ouverte là. Ma boutique là, tiens, attends, même la peinture, tu as payé pour que je mette là-bas. Je t'ai demandé. Je ne t'ai même pas demandé. Tu as seulement quoi? Donc, j'étais dans l'argent, tu donnes au gars qui travaille parce qu'il fallait un nom pour les travaux. Pas pourquoi tu me donnes l'argent. Quand tu as fait comme si tu l'avais fait, tu vas pas donné. Tu es venu, j'avais fini ma boutique. Et tu sais, comme moi, si tu dis même que, pardon, j'ai besoin même d'une bouteille d'huile. Sache que j'ai, tu sais que c'est comme ça que je fonctionne. J'ai la 3 bouteilles d'huile. J'ai demandé sur ma faute de que je vous demande. Et tu sais, la pauvre, je te plaignais au mini. Quelqu'un, je demande que j'ai trouvé la solution. Je demande ça pour déranger. Je peux me faire ça. Non, papa. Depuis que je suis moi ailleurs, bim, mais c'était pas ailleurs. Tu m'as vu faire les sorties. J'ai géré moi ma vie. Tu fais la vidéo, tu vois, ça me fait quoi? Attends, c'est pas quand même mort. I don't care. C'est maintenant, tu fais la vidéo, tu vois, ça me fait. Non, papa, la Kigali. J'ai eu reçu un appel là, j'ai perdu le fil. S'il te plaît, ne mets plus ma mère à tes conneries. Arrête de dire que ma mère n'est pas mariée. Arrête ça. Ne compare pas ma famille à la tienne. Dans ma famille, après 40 ans, on ne parle pas le pain viande au carrefour. Non. Chez nous, on est les bosseuses. Toutes les maintenant sont bien positionnées. Elles ne sont pas super riches, mais elles sont bien positionnées. On ne souffre pas. Tu vois, ma famille, tu la connais. Mes tantes te connaissent. Ma famille te connaît. Mon frère te connaît. Tu te plains qu'il te salue. Quand tu te salues, on ne pas, mais c'est normal. Il a vu tes alus. Il y a une cause avec les fanfarons comme toi. Les nichichouettes. Donc, s'il te plaît, évite-moi. On ne me connaît pas sur Facebook comme ça. Oh. Pardon, laisse-moi continuer mes vidéos de présent le produit, les habits qu'ils vendent pour nourrir mes enfants. Tu as dit à Rolus, Rolus, tu vas prendre ma pétition, c'est un problème. C'est même la publicité, ils vendent les lits et les meubles. Tu as dit à Rolus que tu as abandonné Kigali au monsieur qui tu faisais cadeau, non? Tu sais bien que même si personne ne regarde, même si moi je gêne, attends, même que tu as ma vie, je gêne pas mes deux premiers enfants. Pourquoi tu fais ça comme si tu avais trouvé une mendiante? Tu as trouvé une mendiante quelque part là-bas, que moi. Arrête ça. Arrête. Que ma mère est triste ici parce que tu as fait être sorti sur Facebook, on appelle la réunion. Avant que la paix était au courant, que ma mère nuit, elle avait pleuré. Je ne veux pas massager, je ne provoque pas ma tête seule. Je ne vais jamais la provoquer. Même si on m'entend de ça, elle sera les tantes de Kigali. Je ne vais jamais la provoquer, je ne provoque plus ma mère. Je vais jamais faire allusion à ta mère sur Facebook. Je ne ferai jamais allusion à elle. Tout ce qui m'intéresse, c'est mes activités et le Rwanda et Paul Kagame. Vraiment, laisse-moi où je suis. Je ne vais pas te dire à Aïcha Kamas que je suis autiste. Tu sais ce que je veux dire autiste. Tu sais, tu es tellement limité ce que je veux dire autiste. Que tu es une autiste. Et comme elle enseigne les autistes, elle fait comme les autistes. Fingon, Serge Tchami, je ne suis pas lâche comme toi. Mes supporters ou les gens qui regardent les vidéos, j'essaie d'aller dire, tu n'as pas besoin de ça. Non, j'ai pas besoin de ça. C'est pas la première fois. À un moment, quand quelqu'un me fait comme s'il est fou, il faut lui dire que non. Ma mère, c'est comme tu dis, n'a pas été mariée. Il n'y a pas quelqu'un pour la défendre. Mais moi, je vais défendre ma mère. Moi, je vais la défendre. Je ne supplie jamais ma mère. Parce que quand je suis ma mère, on va tout faire les sorties comme ça. Je te promets. On est dans le même quartier à mieux 3 amants. On se maîtrise, ta famille comme ma famille. On va se gâter. Là, je te promets. On va se gâter. Je pense que le chemin, on va se gâter. Et tu sais où je veux. On va se gâter, on va arriver. Toi, moi, je vais pas perdre. C'est toi qui vas perdre. Fais-moi confiance. On va se gâter. Donc continue encore à parler de ma mère. Tu vas voir ce qu'elle dit.